J'ai testé 6 burgers mystères chez Burger King et on va voir si j'ai eu de la chance. C'est parti! Bon du coup j'ai tourné la vidéo sur 3 jours, 2 burgers mystères par jour. Pour le premier malheureusement j'ai eu un petit burger, un Big King. C'est un burger assez basique et il me semble même que c'est le burger le moins cher de chez Burger King. Une petite mauvaise pioche pour le premier. Pour le second, pour la première journée j'ai eu un crispy chicken cheese. Pour celui-ci c'est un petit peu mieux, c'est pas un tout petit burger mais c'est pas non plus un burger énorme. Mais bon en vrai ça va, c'est un burger moyen au poulet et en vrai je le trouve plutôt bon pour celui-ci. Pour l'instant je suis pas hyper chanceux mais ça va encore. Deuxième tentative, premier burger, le Big King. Bon c'est dommage on l'a déjà eu mais par contre pour le deuxième j'ai eu un triple cheese et c'est un de mes burgers préférés de chez Burger King. En plus en termes de fromage ils ont pas déconné, il y en a vraiment une bonne dose. Et d'ailleurs je pense même que c'est un des burgers que je préfère dans chacun des fast-food, autant au McDo que chez Burger King, enfin bref dans tous les fast-food c'est un de mes burgers préférés. D'ailleurs n'hésite pas à me donner ton burger préféré en commentaire. Pour la troisième et dernière tentative, une nouvelle fois le crispy chicken, burger de taille moyenne qu'on a eu la première journée. Par contre après j'ai eu un double steakhouse et ça c'est un bon gros burger. C'est pas mon préféré mais par contre après avoir fini ce burger t'as clairement plus faim. Et au fait,